Bonjour à tous et bienvenue sur BLA 1420. Aujourd'hui, deuxième partie de ma vidéo d'hier qui était sur l'XP et le level up. Là, on va pratiquer le farming. En grande intensité, vous allez pouvoir constater par vous-même que vous allez prendre beaucoup de niveaux dans cette vidéo. Et ça, c'est grâce à vous. Parce que hier, dans ma vidéo, vous étiez beaucoup aussi à commenter et à me donner d'autres astuces. Une de ces astuces m'a vraiment fortement plu. On va la voir maintenant ensemble en vidéo. Déjà, pour la faire fonctionner, rendez-vous Capsule Corporation. On fait un voyage rapide. Moi, personnellement, j'étais déjà sur place en train de faire du hors-map. Vous inquiétez pas, ça peut vous arriver aussi dans ce jeu. De temps en temps, c'est pas très bien boté. Il y a quelques bugs visuels et du coup, on peut passer à travers champs, comme on dit. Mais bon, pas de quoi s'affoler. Je vous montre quand même bien l'emplacement où se trouve la salle d'entraînement. Parce que là, maintenant, c'est très important. Dans Capsule Corporation, quand vous allez avancer dans l'histoire, bien sûr, il faudra quand même arriver à un certain niveau. Vous allez pouvoir débloquer la salle d'entraînement qui se trouve ici. La première chose à faire, bien sûr, c'est de modifier, c'est-à-dire d'améliorer la salle d'entraînement. De 1, ça va vous permettre de débloquer la fameuse quête qui va nous permettre de gagner un maximum d'XP. Et en 2, ça va aussi vous permettre d'améliorer vos personnages. C'est-à-dire qu'ensuite, vous allez pouvoir les entraîner. Quand vous avez débloqué toutes les salles d'entraînement, vous allez avoir autant d'entraînement à faire avec vos personnages jouables. Là, j'espère que j'ai été clair. Et grâce à ça, dans vos compétences, ça va vous permettre de connaître de nouvelles maîtrises. Et c'est quand même un bon buff pour vos persos. Nous, ce qui nous intéresse pour la vidéo, c'est entraînement spécial. Parce que à l'intérieur de ceci, il y a la mystérieuse guerrière. Et c'est justement elle qu'il faut farmer absolument avec une autre petite astuce pour pouvoir level up facilement. On est parti pour l'explication de la méga masse de niveau 5 et elle est assez simple, c'est start, objet, R1, onglet cuisine. On arrive ici, vous descendez jusqu'à méga masse de niveau 5. On peut en acheter, on peut en trouver partout dans le jeu, on peut même la farmer dans le mode entraînement juste ici. Donc c'est vraiment très simple d'en acquérir comme on dit. Vous allez l'utiliser et ça va vous donner un buff de 50% d'XP, c'est vraiment monstrueux. Pour résumer, l'astuce est très simple. Direction Capsule Corporation, on prend une méga masse de niveau 5 et on active la quête, la mystérieuse guerrière Bonyu. C'est celle-ci en fait qu'on va devoir farmer en boucle. Moi je l'ai fait pendant 3 heures et je suis passé du niveau 130 au niveau 200. Et je vous explique, c'est très simple. Vous venez ici, vous lancez un Kenkidama ultime. Je vous conseille de venir avec Son Goku, vous pouvez venir avec d'autres personnages, hein, comme par exemple Vegeta et son Final Flash, plein de choses. C'est juste que le boss est assez simple à tuer et que le menu chargement est tout petit. Et qu'en plus, vous allez gagner un maximum d'XP. On va en fait très simplement, en moins de 10 secondes, parce que c'est le temps que ça va nous prendre à tuer ce boss, gagner 434 000 XP. Et en farmant en fait cette quête, on va comme ça pouvoir gagner des levels et faire du level up, comme on appelle, du gros farming en masse. Moi c'est ce que je vous conseille, hein. Vous bouffez un coup, vous venez ici, vous lancez la quête qui doit au préalable être débloquée via les salles d'entraînement qu'il faut améliorer. On mange une méga masse de niveau 5. Et puis c'est parti pour du farming de haute intensité comme j'aime le dire. Vous faites ça pendant une demi-heure, une heure, moi perso je l'ai fait pendant 3 heures. Et tous les 4 à 5 tries, honnêtement, vous allez prendre un niveau avec votre Sangoku ou votre personnage. Mais ce qu'il y a de bon et de bien à savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas que Sangoku qui va prendre de l'XP. Toute votre communauté aussi va en prendre. Et vous allez comme ça pouvoir avoir des personnages vraiment super balèzes. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin et bon jeu.